Eh bien, salut à tous, c'est Chef Hero et on se retrouve pour l'épisode 6 de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Twilight Princess. J'espère que vous allez bien, car moi je vais vraiment très bien aujourd'hui. Et donc, souvenez-vous, la dernière fois, on s'était arrêté dans cette salle-ci, où on a vu un mini-boss et on devait sortir. Alors, si jamais je vous refais pas le chemin retour, parce que déjà il est pas très utile, mais en plus, quand j'ai commencé à jouer, j'ai commencé à l'entrée du temple, donc finalement, ça changeait pas grand-chose. Enfin, j'espère. Donc, on va continuer à partir d'ici. Et maintenant qu'on a le boomerang, qui est l'objet qu'on a obtenu après le boss, eh ben, on pourra faire tomber ces objets-ci. Et ça, ce sera super. En tout cas, c'est le coffre qui est le plus important. Et donc, B. Ah, intéressant ça. Mais par contre, c'est. Je voulais faire tomber le coffre. Comment ça marche? Ah, d'accord, il me semblait bien. Bon, et ben c'est parfait, on va le prendre ce qu'il y a dedans. Je demande vraiment ce qu'il y a, à mon avis, ça doit être un rubis. Ah, ben non, c'est la boussole, ok, super. Donc elle vous indique l'emplacement des trésors dans le donjon, jetez un œil sur la carte. Ok, c'est parfait ça. Ça aussi, c'est bien pratique. On devrait pouvoir trouver ce que je cherche grâce à ça, vérifie vite sur la carte. Ouais, on va regarder ça. Non, je me suis trompé. Ah ouais, il nous manque plein de coffres en fait. Ah ouais, d'accord. Et ça, c'est des singes mancos. Ouais, il nous reste plein de trucs à faire en fait. Et là, il y a le boss, ok. Et ben, on va essayer de récupérer tout ça. Alors, déjà, il y a un coffre là-bas. Alors, je vais pas finir le jeu à 100% durant le let's play, je pense, parce que j'aurai pas le temps. Enfin, j'ai un horaire bien précis et tout. Côté let's play, etc. Ah ouais, en effet, il y avait un chemin par ici, j'avais pas fait attention. Oh, et il y avait une araignée aussi. Je déteste ça. En réalité, hein, surtout. Et ouais, du coup, j'aurais pas le temps. Oh mince, il y en a encore une. Du coup, j'aurais clairement pas le temps de faire le jeu à 100%, sachant que bah, ça demande quand même beaucoup de temps de terminer un Zelda. Ok, je sens que ça va me saouler. Ah, c'est bon, laisse tomber. Ah oui, si jamais je joue avec le Wii Motion Plus, et ça m'étonne que ça marche bien, parce que je me souviens, j'avais essayé une fois il y a bientôt un an, et ça buguait beaucoup, je trouve, avec le Wii Motion Plus, mais en fait, là, ça va très bien, donc tant mieux. Parce qu'en fait, ma télécommande Wii normale, classique plutôt, ne fonctionne plus. En tout cas, elle fonctionne encore, mais je veux dire, je peux plus viser, en fait. En gros, c'est ça. Et le coffre est là, ok. Donc on va le prendre. Ok, un petit rubis jaune, merci, c'est bien gentil. Et du coup, ça m'en fait combien des rubis? 275, et moi je pense qu'on a quand même pas mal d'argent. Hein. Ok, pas besoin de gaspiller nos munitions. On va utiliser le boomerang, c'est bien plus pratique. Est-ce que vous donnez un cœur? Non, vous ne donnez pas de cœur. Vous êtes radine, en même temps vous êtes des araignées. Donc, enfin, je dis pas que les araignées sont radines, mais voilà. On s'entend pas très bien, on va dire. On va casser ça, à mon avis. Oui, voilà, il y a un petit cœur. Parce que j'aime pas ne pas avoir tous mes cœurs. Ça me perturbe un peu. En tout cas, quand j'en ai si peu, ça me perturbe, ouais. Par contre, ici. Ah, bah, c'est simple en fait. Alors, voilà. Donc, lui, on le blesse. Et on se dépêche. Et normalement, ça devrait exploser. Oui, c'est ça. Et ben, c'est nickel. Donc on a bien fait de descendre ces marches, parce que sinon on n'aurait pas pu prendre le coffre, on n'aurait même pas pu savoir qu'il y en avait un. Du coup c'est parfait, on joue très bien. Par contre on va où maintenant? On va où? Attendez. Donc il y a deux coffres ici, on va aller les chercher hein, quand même. Voilà, merci. Comme ça, on aura récupéré tous les coffres. Et pour moi, c'est important quand même. D'avoir tous les coffres. Est-ce qu'il y en a là? Non, il n'y en a pas. Je trompe tout le temps de bouton, c'est chiant. Non, il n'y en a pas en effet. Non, c'est pas par ici que je voulais aller. C'est par là. Quoi? Mais j'ai sauté. D'accord. Ok, donc on est obligé de la retuer encore une fois. Super. Et ben, c'est parfait. On va bien s'amuser. Non, j'ai pas géré. Oh non, pas du tout.
Bon, allez, on leur fait. Dépêche. Ah, voilà, c'est bon. Cette fois-ci, ça a été plutôt bien. Je me souviens, à l'épisode précédent, j'avais galéré à cet endroit. Ok, merci. On va par ici. C'est quand même un petit peu chiant de devoir se retaper les pièces et tout, juste pour des coffres qu'on a manqué. Et tout. Ah mais maintenant qu'on a le boomerang ici, ça va être super génial, regardez. Regardez, on peut envoler les dalles, du coup, on peut tuer les insectes qui étaient cachés en dessous. Ah par contre, ils sont pas tous partis. Voilà, lui il s'est suicidé, ok. Attendez, on va pas faire tout d'un coup. On va viser. Ah d'accord. Ok, donc on va en profiter. Allez, meurs toi. Parfait. Ok, c'est tout. Ah oui, et le... Oui, j'ai éteint les... La torche, moi. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais faire. Ah, intéressant ça. Ouais, par contre, je voulais qu'il aille là aussi, vous mourrez. Voilà. Voilà, parfait. Bon, je sais pas s'ils sont tous morts, mais en tout cas, on a un coffre. Et il a l'air important, ce coffre-là. Un quart de cœur, et ben c'est super. Enfin, un fragment de cœur, excusez-moi. Je perds l'habitude. Et un petit rubis bleu bien sympathique. Oui, c'est vrai qu'il me rappelle combien ça vaut à chaque fois. Oula, j'ai un problème. Ok. Le coffre est où? Le coffre, il est... Je crois qu'il doit être au-dessus ici. À mon avis, je suis pas certain. Écoutez, on va voir ça, hein. Vaut mieux aller voir au cas où. Mais pourquoi je suis tombé? Tant pis. Bon, j'ai reculé un peu parce que là, il a du mal à... il a du mal à bouger. Mais s'il te plaît, concentre-toi là. Parce que là, ça va plus du tout. Ok, donc là, on bouge. Ah voilà, c'était simple. C'est quand même bizarre que j'ai pas réussi à récupérer ce coffre, il était évident. Ok, rubis rouge. Bien sympa, il va pas rentrer dans la bourse. Ah d'accord, ma bourse est pleine. Ah ouais, c'est 300 rubis le max. Bon, c'est quand même pas mal pour un début, mais bon, c'est pas suffisant pour moi. Bah tant pis, hein, je pense qu'on va arrêter de récupérer les coffres alors. Sauf ceux qui paraissent importants, mais bon, à mon avis, ça doit être que des rubis, les autres. Mais il manque des coffres roux en fait. Non, c'est pas ce que je veux. Non. Moi je veux ça, oui voilà. Ah, il y a deux coffres là quand même. On va voir, on va voir. Bon alors on retourne ici. Par contre, il faut aller par là. Voilà. Ah oui, c'est vrai, il y a plein de plantes ici. Du coup, on va passer par où? Bah on va aller par là, on va quand même récupérer ces deux coffres là parce que à mon avis il y en a un des deux qui doit contenir un objet intéressant, genre un quart de cœur, enfin un fragment de cœur. Je devrais arrêter de dire quart de cœur moi sérieusement. Ah bah il n'y a pas qu'un quart de cœur qui est important ici je pense. Ouais, j'ai bien fait de venir par contre, toi t'inquiète pas, je ne t'ai pas manqué. Oh attendez, on va la faire tomber. Et eh ben voilà, elle s'est suicidée. Ouh, non, j'ai pas envie d'aller la rejoindre. Et eh ben ouais, cet endroit est super important en fait. Parce que regardez bien. Ici, en gros, il y a un coffre. Donc c'est le coffre avec la clé. Je sais pas si vous voyez la tête du coffre, mais qui paraît plus important quand même. Et vous voyez qu'il y a aussi des traces par terre. Comme si ça montrait une certaine direction pour le boomerang. En tout cas, je pense que ça paraît logique, parce que moi, personnellement, j'ai pas du tout galéré pour cette énigme. Bien sûr, si vous galérez, ça veut pas dire que vous êtes mauvais. Hein. Loin de là. Ah bah voilà, nickel, ça a ouvert le passage pour le coffre.
En plus, c'est un coffre qui est... Bah, c'est le coffre le plus important du donjon. Puisque vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a... Eh ben, il y a la clé du boss. Donc la grande clé, vous pouvez à présent pénétrer la pièce où se cache le boss du donjon. Parfait. Et il y a un autre coffre aussi. Mais où est-il? Avant de le récupérer, il faudrait savoir où il est. Ouais, je ne sais, je vois pas du tout où est-ce qu'il peut être. Il faudrait que je recule un peu pour augmenter mon champ de vision, mais... Le coffre, normalement, il devrait être quelque part là. Et, c'est quoi ça? Y a pas un truc là? Ah, si! Si, il y a un chemin. Et ouais, il y a un autre coffre. Et il a l'air important celui-là aussi. Ouais, bof. Mais bon, autant le récupérer, hein. Autant ne pas passer à côté. C'est bien, mais écoutez. On a ramassé. Ah, presque tous les coffres. Il nous en manque un. Ah, mais non, c'est le coffre qu'on n'a pas su prendre parce qu'on n'avait pas de rubis. Et bah, du coup, on est bon. Ah, ouais, carrément. Non, non, il manque un singe ici, mince. Mince, mince, mince. Ouais, du coup, il va falloir faire demi-tour, malheureusement. Ah, c'est con ça. Oh, c'est pas grave au pire. Mais je pense que je vais faire une petite ellipse, hein, parce que là, on perd un petit peu de temps et ça doit pas être chiant que je me retape tout le temps le même endroit. Donc, à tout de suite. Ok, donc nous sommes de retour et regardez, il y avait un singe enfermé ici. Ah, mais oui, on pouvait pas passer avant par là. On est juste. Du coup, on va prendre le boomerang et on va apprendre à viser là, parce que j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Ok. Mais il y a encore des singes captifs, qu'est-ce que... Si c'est comme ça, tu n'as qu'à sauver tous les singes qui restent et n'oublie pas de te faire récompenser. T'inquiète, t'inquiète, je me fais toujours récompenser. Oula, regardez ici, on peut changer le sens de la plateforme et c'est très très utile. Est-ce que c'est important de retourner là? Non, là c'est la salle du boss, donc non, c'est pas du tout important. Par contre, ici... Ouais, clairement, je peux pas passer, hein. Du coup, il faut faire demi-tour, donc je vais vous passer ça. Hein. Allez, à tout de suite. Ok, donc nous sommes de retour. Alors là, pas besoin de changer le sens. Oh, bah c'est le singe qu'on a sauvé. On dirait qu'il nous indique la direction, comme d'habitude. Hein. C'est pas comme si on n'était pas habitué. Ah bah du coup, on va le suivre. Et là, il y a un singe et un coffre. Et on pouvait pas passer puisqu'on pouvait pas changer le sens de cette plateforme. Et maintenant on peut. Par contre, ouais, il va falloir changer encore, mais c'est pas un problème. Oh, ok, il y a des petits ennemis. Bon, rien de bien méchant, hein, en deux coups on les tue. Et par contre, ouais, il y a lui aussi. Voilà. Super simple. Il y a une petite clé à obtenir avant d'aller ici. De toute façon, je comptais sauver le singe d'abord, puisque pour moi c'est ma priorité. Quand même, les petits singes, c'est vivant, alors que les coffres, bah, les rubis, c'est pas vivant. Wow, qu'est-ce que je fous? Oh non, oh non, pas d'araignée, pitié. Bon, on va vite la tuer. Ok, ça va, ça a été. Ouh, 3 coeurs, ça donne beaucoup quand même. Par contre, ah. Oui, toi. Alors, on va essayer de bien viser. Ah, nickel. À mon avis, le coffre doit être dedans. Un truc du genre. Bah non, il n'y a pas de coffre ici, c'est un singe. Non, il n'y a pas de singe. Il est où, le petit singe? Déjà, ça sert à quoi de nous emmener ici? Ça nous sert pas trop, hein. À mon avis, le singe doit être là. On va remonter au-dessus pour voir. Mais je vois pas du tout ce qu'il faut faire parce que regardez le point rouge, il est juste là où on est en fait. Du coup, le singe, je vois pas
Où est-ce qu'il peut bien être? En plus, je l'entends, hein, c'est... Oh non! Ah, mais je vous jure, voir ça à l'écran... Ah d'accord, regardez, il y a des toiles d'araignée. Ouais. Par contre... Attendez, on va utiliser le... Ouais, ça c'est pratique. Oh oui, c'est super pratique. Coup de grâce. Nickel. Bon, alors du coup, le singe, pour le sauver, il faut aller par là. À mon avis, il faut prendre ça. Non. Et ben le... Ah oui. Ok. Oh, ça va, il était là. Donc c'était plutôt évident. Par contre, le point rouge n'indique pas exactement où il est. Il indique juste qu'il est dans cette salle. Donc il faut pas que je me fie à ça les prochaines fois. Parce que sinon, je risquerais de me perdre. Ok, donc ça fait le second singe de sauver. Il nous en reste plus qu'un, si je dis pas de conneries. Mais du coup, on n'a pas de clé, de petite clé pour ouvrir pour le coffre. Ah ouais, ok, ça c'est un petit problème. Bah c'est peut-être fait exprès, mince. Par contre, ça c'était pas fait exprès. Du coup, on va aller là. Oh non, on n'a pas réussi à grimper. Bah du coup, on retourne à la salle centrale où on peut changer la direction de la plateforme. Voilà, donc re à tous. Du coup, vu que c'est fermé ici, on va devoir activer ça. Et passer par ici, du coup. Ok, donc là, ouais, des petites babioles, pas intéressant. Alors, cette salle, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Oh! Ils sont synchro, j'adore. Par contre, du coup, il en manque deux. En fin de compte, il va te falloir l'aide des singes pour explorer tous les coins et recoins de ce temple. On n'a pas le choix, va sauver les autres singes. Mais il en reste deux à sauver alors, attendez. Ah ouais, il en reste deux, ok, donc il y a un singe derrière le coffre, d'accord. Ok, donc c'est pas grave, je vais dans la bonne direction dans tous les cas. Je voulais juste savoir où c'était précisément. Mais bon, c'est pas grave. On va juste perdre un petit peu de temps, un petit peu plus de temps que prévu. Ok, eux sont vraiment pas compliqués à tuer. Ah, ça va être chiant de grimper ça alors. Est-ce qu'il y a d'autres araignées? Ouais. Une autre. Et ça a l'air d'être tout. Non, peut-être pas, mais par contre, je pense pas qu'on peut tuer les autres d'ici. Oui, c'est vrai que j'ai 300 rubis, donc il faut pas que je me fatigue à récupérer des rubis, puisque bah, ça ne sert à rien. Et au final, j'aurais peut-être pu m'acheter le l'huile. Mais bon, ça change rien, c'est même mieux comme ça, parce qu'on sait jamais qu'on ait plus assez d'argent. Mais je veux dire, si j'avais su que j'allais avoir autant d'argent dans le temple, j'aurais pu quand même l'acheter pour éviter les problèmes avec Monsieur le Perroquet. Mais bon, c'est pas, ça change pas grand chose, c'est juste que à chaque fois qu'on viendra, bah, il est en train de nous tuer. Enfin, plutôt de nous blesser, qu'on lui rende son argent. Hein. Son but n'est pas de nous tuer. Hein. Bien sûr. Voilà, le nunchuck a du mal à fonctionner. Ou alors c'est juste moi qui le fais mal. Parce qu'il faut faire gauche-droite. Ouais, ça... C'est moyen, moyen. Mais ça va. Oui, pourquoi je récupère ça, moi? Ça sert complètement à rien. Ok, du coup, ça, c'est la dernière salle à découvrir. À part celle du boss, bien sûr. Et... C'est une salle aquatique. Ah oui, c'est vrai que les plantes rouges sont beaucoup plus résistantes. Pour passer, il faut une bombe. Alors où est-ce qu'il y a ça? Ok, toi, je t'avais pas vraiment vu. Donc il y a une bombe, mais elle est pas du tout à un endroit joignable. Mais écoutez, est-ce qu'on peut la voir avec ça? À mon avis, oui. Ah oui, parfait ça. Non. Non. Mince. C'est pas grave, on refait. On recommence, concentre-toi.
C'est pas du tout là que je voulais aller, mais bon, c'est pas grave, on l'a quand même eu au final. Ouais, on aurait dû viser, donc c'est pour ça que ça n'a pas trop été. Ok. Et au fait, je voulais savoir quel était votre Zelda préféré. Parce que je trouve que ça pourrait être intéressant de débattre sur ça, même si bon. Ok, donc on a la petite clé, c'est parfait. Même s'il n'y a pas trop de gens qui regardent mon let's play pour l'instant, parce que généralement quand je sors mes let's play, ils sont pas beaucoup regardés au début, mais après ils commencent quand même à y avoir quelques vues et tout. Mais genre pour ceux qui regardent le let's play, même si vous le regardez en retard, même si le let's play est terminé par exemple, n'hésitez pas à répondre en commentaire parce que vraiment je lis tous vos commentaires. En tout cas quand j'ai des notifications, parce que des fois enfin c'est assez rare, ils mettent pas les notifications quand j'ai des commentaires. Ça m'est déjà arrivé, je crois, mais c'est hyper rare. Donc ne vous inquiétez pas, je lis absolument tous vos commentaires. Alors on va essayer de lancer au bon moment, genre ici. Non, pas du tout bien. Pas du tout bien ce qu'on a fait. Moi personnellement, mon Zelda préféré, eh ben en fait, j'hésite entre beaucoup de Zelda. Je vais vous dire ça tout de suite. Non, mais pourquoi j'ai... Ah, c'est parce que je vise peut-être, il faut pas viser. Je sais pas. Déjà, il y a celui-ci, j'hésite entre celui-ci, Skyward Sword, Ocarina of Time. Mais non, mais ça va pas. Ocarina of Time, Majora's Mask. Et le nouveau aussi, le nouveau. Et Wind Waker. Donc ça fait 6 Zelda quand même, c'est pas rien. Mais pourquoi ça va pas, bon sang? Je vois vraiment pas comment on va faire pour passer, hein, si j'y arrive pas. Non, c'est pas ce que je veux faire. Attendez, attendez. On va tenter un truc. J'ai envie d'essayer. Genre qu'on vise là et puis qu'on vise ici. Est-ce que ça pourrait le faire? Ça tombe, c'est ça qu'il faut faire en fait. Non. Ah ouais, c'était ça qu'il fallait faire. Ok. Et eh ben c'est super. Bon, par contre, il y a un petit copain là pour nous accompagner au-dessus. C'est pas grave, on va s'en occuper. Wow, c'est quoi là? C'est quoi que j'ai vu là? C'est quoi que j'ai vu? Des plantes. Oh, des plantes. Ah ben, attendez. Pas besoin de se fatiguer. Et l'autre. Ouais, ça va pas servir à grand chose pour l'autre, je crois. En effet, on l'a juste réveillé un peu, mais bon. C'est pas, on va le faire à main nue sans le boomerang. Oh non, mauvaise idée. Non, 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 non. Boomerang, boomerang. Voilà. Voilà. Des cœurs là, s'il vous plaît. Je voudrais des cœurs. Non, il n'y en a pas ici. J'espère qu'il y en a quand même dans ces gros vases. Non. Oh non, mais vous êtes radin, c'est incroyable. Ça, jamais, j'ai jamais vu des gens aussi radins. Radins, excusez-moi. Ok, donc là, il faut refaire la même opération. Et je mets la télécommande, oui, trop près de l'adaptateur. Du coup, ça ne va pas. Merde, merde, c'est pas ce que je voulais. Bon, c'était vraiment pas très intelligent. Et du coup, j'ai pas de truc pour me soigner à un an. C'est pas ce que je voulais faire trop. Oh là là, j'espère que je vais pas mourir ici, parce que ce serait assez humiliant. Non, il faut le faire à partir d'au-dessus. Ça paraît plus logique. Parce que là, ça, clairement, c'est beaucoup trop haut. Et ce bruit commence vraiment à m'énerver. Et on vise là. En espérant qu'on se fasse pas toucher par la bombe. Ok, là, elle a explosé. Heureusement qu'on a bougé. Parce que sinon, je pense qu'on se serait fait toucher. Pitié que ça marche. Non mais je suis con, moi j'active le truc alors que il n'est toujours pas revenu lui.
Là, ça devrait aller. Non, ça a explosé déjà. Ah, je vois pas comment faire. Ok, c'est bon, j'ai récupéré un cœur. Par contre, je sais toujours pas comment faire ici. Mais au moins, j'ai moins de risques de mourir. Et c'est quand même déjà ça, j'ai envie de dire. Mais ça tombe, il y a une autre bombe dans le coin ou quoi? Comment on pourrait faire, bon sang? Si ça tombe, il faut aller récupérer le singe là-bas avant. On va faire ça, mais je pense que c'est... À mon avis, c'est pas ça. Mais on va déjà faire ça. Il y a beaucoup de ça dans ma phrase. Et donc, n'hésitez pas non plus à répondre en commentaire pour savoir quel est votre Zelda préféré, parce que ça pourrait être intéressant de partager chacun un avis. Et plus l'avis est différent et plus il est intéressant. Par contre, moi, vraiment, mon truc, c'est les Zelda 3D, hein. Parce que les Zelda 2D ne m'attirent pas vraiment, voire pas du tout en fait. Et les vieux Zelda aussi. En fait, c'est à partir d'Ocarina of Time où il commence vraiment à m'intéresser et seulement les 3D. Donc, par exemple, A Link to the Past. Non, c'est un vieux Zelda. Mais Between World, il m'intéresse pas vraiment. Enfin, je veux dire, quand je dis Zelda 3D, c'est plutôt en fait Zelda sur console de salon. C'est plutôt ça en fait, ouais. Et même Hyrule Warriors, qui n'est pas un vrai Zelda, vous pouvez le mettre si vous voulez. Alors. Ok, donc ici un petit coffre, ça tombe, il y a un objet ou quoi? Oh non, pas ça. Mais bon, en soi ça va, il faut juste ne pas aller trop vite. Ok, je pense que là ça devrait aller. Voilà. D'accord, c'est pas très... Allez! Eh mais j'ai récupéré des cœurs, c'est cool. Ok, là il y a plein de chemins. Je sais pas lequel prendre. Donc ici, ça mène à où? Eh ben ça mène à un singe, je pense. Oh non, mais pas toi! Allez, meurs, meurs! Coup de grâce, vite! Voilà! C'est bon ça. Par contre, tes petites copines là. Non, merci, j'en veux pas trop. T'inquiète pas, j'arrive, mon ami le singe. Je sais que le son de ma télé ne va pas fort, mais j'entends quand même quand il y a un singe qui m'appelle. C'est hyper important. Alors, du coup, c'est pas là. C'est... Comment on va faire? Ah, bah, écoutez. C'est aussi simple que ça. Parfait, bon. Et ben maintenant on peut partir d'ici. Oh, je ne t'avais pas bien vu. Excuse-moi. J'ai oublié de m'occuper de ton cas. Voilà. Et tu ne me donnes pas de cœur. Ah, le coffre. On a bien fait de ne pas aller trop vite parce que là j'aurais pas eu trop le courage. De toute façon c'est un rubis donc ça sert pas à grand chose. Mais bon, au moins on sait ce qu'il y a dedans. Et au cas où s'il nous manque des rubis, ben, on retournera dans les vieux coffres comme ceci, comme celui-ci. Pour en récupérer justement des rubis. Et ça pourrait être très pratique. Et ça tombe, il y a un moment ouais, dans le jeu on aura très certainement besoin de rubis pour acheter des... Je sais pas, que ce soit des objets ou alors pour rendre des services. Ça peut servir les rubis, bien sûr. Là c'est peut-être le début du jeu, il n'y a pas beaucoup d'objets à acheter là pour le moment, il y a presque un, il y a juste un bête magasin à toile. Mais vous verrez qu'après ce sera beaucoup plus intéressant. Ok, du coup on va retourner ici. Ok, donc là je pense que si on le fait à partir d'ici, ça a peut-être fonctionné. Je ne sais pas. Oh, j'ai peut-être une idée. Comment on fait pour... Ah mais c'est avec K, mais je suis stupide. Pourquoi je suis avec la télécommande? Oui, je crois que c'est parce que je suis trop habitué à Skyward Sword, ouais. D'accord. Mais quand on comprendra comment ça fonctionne. Enfin, j'aurais dû lire les informations en fait. Ok, il n'y a même pas de cœur pour me rendre service. C'est bien gentil de votre part. Il n'y a pas de cœur ici non plus. Ah, à mon avis, non. Pas de cœur du tout. Il y a des cœurs nulle part.
Ok, donc les singes sont au complet. Au complet. L'idée de ce temple est quand même assez originale du fait de devoir libérer des singes pour au final sortir justement, enfin pour aller rejoindre le boss. C'est quand même bien pensé comme boss et finalement ça fait un temple pas si compliqué à réaliser, donc c'est bien pensé de leur part. À mon avis ça doit pas marcher d'ici, ouais, on va pas prendre de risque. Et là, faut encore bouger. Parfait. Et maintenant, on n'a plus rien à faire, hein. Ok, donc on va direct rejoindre le boss. Oh, le saut était parfait. Bon, alors ici, attendez. Je vais juste préparer mon flacon parce que ça tombe, il y a une fée. Et une fée, c'est super important. Non, il n'y en a pas. Pas ici en tout cas. D'accord, elle est là. Vite remplir. Ok, on l'a eu, ça va. Parce que les fées, c'est super utile. Cette bonne fée viendra à votre rescousse quand vous serez à bout de force. Ok, donc demande. Elle nous redonne Weaker, donc là c'est pas utile. Enfin, dans le sens où on n'a pas Weaker. Mais c'est utile pour récupérer des cœurs. Et en plus, si on meurt, elle nous rend nos cœurs. Enfin, elle nous fait revivre. Et ça, c'est super pratique. Dionéa, mauvaise herbe du crépuscule. Ok. Donc ça paraît évident, il faut viser ça et puis l'envoyer sur les plantes. Enfin, c'est ce que je vois à faire. Ouais, donc c'est ça qu'il faut faire, ok. Ça va, c'est pas trop compliqué pour le moment. Ok, donc on refait pareil avec celle-ci. Et la musique est bien sympa et l'ambiance du boss est super bien aussi. Enfin avec l'eau violette et tout. C'est super beau je trouve. Ah d'accord. Voilà le vrai boss, ok. Du coup on va faire comment? Ok, donc si on se laisse faire, ça va pas aller. Qu'est-ce qu'on peut faire? Franchement, je vois pas du tout ce qu'il faut faire. Ah. Oh. Eh, il vient nous aider maintenant. Ah ah, intéressant ça. Ok. Comment on va faire? Non, ça a pas marché pour cette fois. Je pense qu'on va d'abord tuer ces deux plantes. Waouh. C'était chaud. Vite. Ah, ça a marché, chouette. Oh, oh, oh. Oh oui. Oh, et regardez comment la musique, elle change d'un coup. C'est super. Je trouve ça super bien fait. Enfin, ça rend le combat encore plus épique. Ouh là là. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle fait?
Ok, ça va, on a réussi à esquiver, ben heureusement, parce que j'aurais pas voulu toucher son truc plutôt. Calmez-vous, calmez-vous. Ok, donc lui est de retour. Non. Ah si, c'est bon. Ouais, je pense il vaut mieux attaquer directement la plante centrale. Hein. Ok, ça va. Parce que j'ai cru que ça allait pas prendre la bombe. Vite, à l'attaque! Ah, c'est déjà fini? Eh ben, c'était. Franchement, c'était un boss qui était. Oh, dégueulasse. C'est un boss, franchement, qui était pas si compliqué. Et regardez, voici notre tout premier réceptacle de cœur. Et on dirait que c'est un fragment. Je sais plus comment ça s'appelle, mais. On dirait que c'est ce que recherche Midona. Bien joué! Ce que je cherche, oui, c'est exactement ça. Ah, bah oui. C'est un cristal d'ombre, voilà. Il contient ce que vous autres, les habitants de la lumière, appelez le pouvoir des ombres. Ah, mais au fait, l'esprit m'a dit que si tu obtenais le pouvoir des ombres, le monde serait sauvé, non? Et tu crois vraiment que ce pouvoir s'improvise aussi facilement? Il y a en tout trois cristaux d'ombre, ce sont sûrement les esprits de la lumière qui détiennent les deux autres. Lorsque tu les auras récupérés, je t'expliquerai ce que ces cristaux représentent réellement, enfin si tu es sage. Je serai toi, je me mettrai en quatre pour les retrouver. Allez, il en reste deux, mettons-nous en route. Ok, donc on a fait un tiers, je vais te faire sortir d'ici, n'oublie pas de te prendre le réceptacle de cœur. Non, ne t'inquiète pas. J'aurais pas envie de passer à côté. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Vous obtenez un réceptacle de cœur, votre énergie vitale augmente d'un cœur et vous retrouvez toutes vos forces. Donc c'est exactement comme dans Ocarina of Time et tous les autres Zelda. Tu es sûr que tu veux sortir tout de suite? Tu as fait tout ce que tu voulais faire? Oui. Et ben du coup on va sortir d'ici. Et on va pas continuer en fait parce que ça a duré beaucoup plus longtemps que je l'imaginais. En même temps j'ai récupéré les coffres et tout. Puisque j'ai obtenu la boussole. Ouais, je veux sauvegarder. Donc on va sauvegarder ici. Et du coup, ça va nous faire combien de temps de jeu, là? Ouais, 4h11, quand même. Héros, Melvin. Il reste en Hyrule encore bien des endroits étouffés par les ombres. Une fois sorti de ces bois, tu trouveras à l'ouest des terres protégées par l'esprit Ordin. Là-bas, tu trouveras probablement ce que tu cherches à sauver. Cependant, sache que ces terres sont encore recouvertes par les noirs nuages du monde des ombres, le crépuscule. Lorsque tu les fouleras, ton corps reviendra loup. Sois prêt à accepter ta condition d'animal. Va, élu, sors de ces bois et dirige tes pas vers l'ouest. Il te faut trouver les terres d'Ordin. Parfait, tu n'as plus besoin de les chercher maintenant, puisque tu sais où ils sont. Je suppose qu'évidemment tu vas aller les sauver, non? Ne t'en fais pas, je te donnerai un petit coup de pouce quand tu seras en loup, si tu es sage. Bon, eh bien, il faut maintenant trouver la prochaine frontière avec le crépuscule. Je t'aiderai à entrer quand on y sera. A plus. Ok. Eh ben c'est bon, on a terminé pour aujourd'hui. Maintenant, on va explorer la nouvelle zone. Je vais pas vous la montrer vraiment tout de suite. Je vais juste me mettre à l'entrée. Donc regardez, ici c'était fermé, souvenez-vous-en. Mais écoutez, je pense qu'on va lui acheter un flacon. Tu viens pour de l'huile? Ok, donc c'est pour 100 rubis. Allez, moi j'achète. Attends, faire le plein d'huile pour 20 rubis. Je vends le flacon. Ah, c'est le flacon. Ah ouais, donc ça va nous donner Ah ouais, ça va nous donner une bouteille en plus. Ah bah c'est super utile alors. Oui, j'étais au temple, c'est pas mal, hein. Bon, ces derniers temps, c'est vrai que c'est un peu truffé de monstres. Nos jours, où qu'on aille, c'est partout la même galère. Ouais. Mais c'est bien ça, hein. On a...
Ah ouais, on a deux bouteilles, super. Ah, je savais pas que ça nous donnait une bouteille en plus. Et bah, c'est beaucoup plus utile maintenant. Et donc, bah ici, on peut pas se passer puisqu'on n'a pas de bombe. De toute façon, c'est un raccourci. Et les terres d'Ordine seront normalement par ici. Et je pense qu'on va s'arrêter ici. Personnellement, j'ai adoré cet épisode. C'était vraiment bien sympa. Malheureusement, on a pris deux épisodes pour finir le temple. Et il serait possible que pour les prochains temples, ça nous prenne deux épisodes, voire plus aussi. Mais en tout cas, j'espère que ce let's play vous plaît, que ça vous dérange pas trop. Comme jeu, au début, c'est vrai que c'est un petit peu chiant, mais normalement, là, on va pouvoir explorer de nouvelles terres et tout, ça va devenir beaucoup plus intéressant. En tout cas, bah, je vous dis à tous et à toutes, à la prochaine. Salut!